tous. Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War, Warhammer 3, Immortal Empire, toujours accompagné du beau, du magnifique, du sublime, que dis-je, de notre ami Gelden. Ouais, n'en fais pas trop quand même. Salut à tous. Bah ah, si, un petit peu, je te rappelle que tu es Gelden le magnifique, Zigval le magnifique, pardon. Ah, nous voyons que les villes n'ont pas été prises chez nos collègues Skavens. Alors, moi j'ai un petit Eh bien. event. Pouf, putain la vache. Rendu héros Hein? recruté plus 10, rendu seigneur recruté plus 10 pendant 5 tours. C'est pété. Ah mais quel con. Bah non, c'est bon. N'importe quoi. Et sinon, coût d'activation des dons du chaos, moins 75%. Pourquoi je peux pas bouger mon Ah, héros? mais c'est un truc de l'œil. Parce que j'ai eu un event. Ah d'accord. Bon. Alors, est-ce que je vais recruter une autre armée? C'est la question, quand même, c'est pas sûr. Hein. Est-ce que j'ai vraiment besoin de recruter une autre armée dans l'immédiat? Ça roule à peu près correctement. Donc, je vais faire de l'XP en plus, gain d'expérience. Oh, je vais Voilà. tellement recruter des guerriers du chaos. Encore. Ok, c'est Mais bon, oui, je c'est les peux. Ah oui. meilleurs. C'est bon, j'ai Bah, libéré. c'est quand même mieux que des affreulances, quoi. J'ai libéré, délivré. Ah, voilà, monsieur le démon patate. Le démon patate. Eh Qu'est-ce qu'il veut, le oui. démon patate? Non, non, c'est. Bah, il a fait l'erreur de me déclarer la guerre. Paix à son âme. Ah, Mazamundi a ramené une deuxième armée avec un Croxigore comme chef. Je suis dans le caca. Oscar! Oscar! Bon, Asildrator, on va peut-être commencer à mettre des défenses quand même. Je me sens pas bien. Oscar! Ben attends. Coût de recrutement, moins 25% pour les tristes lames. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? Moi, don de Slaanesh accordé. Hop. Alors, Moratti, est-ce qu'elle peut aller se TP à sa mission? Ça coûte combien de se TP? 500 balles. Voulez-vous vraiment vous téléporter? Oui. Au pire, j'aurais perdu 500 balles. Ah, il nous dit victoire de justesse. Ouais, mais je te dis, ça c'est. Enfin bon, Alors, on moi a quoi face à nous? j'y tiens quand même rarement compte. Ouais, non, mais. Alors, on a quoi face à nous? On aurait un Jaqi au elfe au corps à corps, à pied. Trois unités de. 7 unités de lanciers au elfe. 2 unités d'archers au elfe. Des patrouilleurs zéliriens. Des balistes. Ah, mais voilà, ils commencent à tricher, ils sortent les balistes. Comme si nous, on n'en avait pas, quoi. Il y a des gardes des portes, c'est fort ça? Les gardes des portes, c'est pas trop mal, mais. Ah, c'est anti-large quand même. Bon. Moi je dis on sauvegarde et puis on l'a fait. Hein. Bah oui. Are you ready? Oh, je suis totalement ready. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Un petit peu quand même, si Technique, bon. Tu peux dire non, moi je veux pas la Bah oui, faire. je sais pas quelle est ton armée, je me souviens plus, moi. C'est marrant. On a de la Ouais, furie, t'as on des a de la gars. furie, c'est bon. T'as des guerriers du chaos, c'est ce qui compte. Voilà, Est-ce c'est qu'il ça. a. Ouais, et puis si ça se trouve, il y aura d'autres renforts. Allez, allez. Bah, je sais pas. Je ne sais pas s'il y aura d'autres renforts, il n'est pas noté. C'est parti. Ouais, mais de toute façon, des fois, il y en a et il te le dit pas. Des fois, il y en a Des fois, il n'y en pas a pas et et il te le dit. dit. Mais. Enfin, non, pas ça, mais. Allez. Sa cave, elle aura de la possibilité de nous contourner, mais nous, on pourra mettre notre cave. Ah, mais on pourra mettre nos ombres pour leur tirer dessus. Et ça, c'est bien. Les murs d'Arnheim offensent les elfes noirs avec leur ton pur et saint. L'heure est venue de les démolir et de tuer quiconque se trouve de l'autre côté. Il nous en faut envie aussi, bien évidemment. Bah oui, des esclaves. En cas de Ah capture de oui. la colonie, les défenseurs aux elfes ne font pas d'illusions sur leur sort et se tiennent donc prêts à combattre comme du gibier acculé. Et heureusement qu'ils ont bien mis acculé. Ouais. Et par contre, j'ai qu'une unité de tireur. Je viens de voir ça. Bah non, t'as des ombres. Et puis t'as deux Oui. balistes. C'est vrai. C'est vrai.
J'avais oublié ce léger détail. C'est vrai que les balistes, ce sont des unités de tir. Bah, un peu mon neveu. Ah, on pourrait mettre. Ouais, mais non, on pourra pas mettre les balistes en haut. C'est dommage. Par contre, nos ombres, elles seront très très bien en haut, je pense. Ouais, pour ça, il faut que tu puisses te placer, hein, potentiellement. Ouais, non, mais si on peut. Attention, cinématique. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Ok. J'ai un écran noir. Moi aussi. J'ai commencé la bataille. Bah, oui, il faut que tu commences la bataille. C'est normal. Ah, d'accord. Sinon, il lance pas la cinématique. D'accord. Pour commencer la bataille, c'est commencer la bataille. Oh, il y a du brouillard. Ah non, c'est de l'eau. When he tires of me, I shall take this sanctuary and from the souls within compose a song of screams and torment. Let them come to the shore, sally from their pristine walls, so I can smear them in Asur blood. Bring me this colony, sisters. Kill many, but make sure half are taken alive. Ça va, elle est sympa, elle demande que la moitié. Alors, comment on peut déplacer, Tranquille. comment on peut mettre nos ombres? Tranquille. Ah, on peut mettre. Ah quoi? Ah merde! Pause! T'as démarré? Bah la bataille a commencé, j'ai pas pu placer mes troupes. Ah. D'accord. Ok. Ok. Tout Alors, va bien. Tout va mal. qu'est-ce que tu me donnes? Mais non. Je vais te donner. Les ombres et l'assassin déjà. Mister Fufu. Tu veux la cave? Eh ben vas-y. Les unités rapides quoi. Ah ouais non mais en plus il m'a placé comme de la merde, je sais même pas. Oh là là, Bah, c'est c'est quoi ce. comme souvent sur les... Tiens, je vais leur faire faire... À mon avis, il va y avoir des renforts qui vont arriver par là. Par le plein ouest, là, en Ouais, hauteur. par la porte. Ça va sortir par la porte. Attends. Moi, mais la cavalerie, je vais lui faire faire justement, je vais la faire monter en fait. Bah, peut-être les ombres aussi, du coup. Ok. On va se mettre en tir multiple, hein. Ça me paraît Ah une bah bonne oui, idée. ça me semble même assez indispensable. Alors, ce qui est bien, donc là, je vais me repositionner en dehors de sa portée quand même. Parce que sinon, ça va pas le faire. Tiens, tu me filerais pas les deux unités de démonette, s'il te plaît, avec. Bien sûr. Comme ça me ferait un peu de... En fait, je vais monter moi avec tout le monde. Je vais monter, éventuellement me prendre ensuite par le flanc. Mais à mon avis, de toute façon, on va avoir du monde qui va venir nous compter fleurette. Peut-être, certainement même. Hop. De toute façon, on est en dehors de leur portée. Donc c'est bon pour moi. Tu peux. C'est bon pour moi aussi. C'est parti. Ce repositionnement. Ah non, mais moi je pensais que je pouvais positionner mes troupes et tout. Parce que il fait vraiment un positionnement de merde hein, pour le coup, l'ordi. Bah Ok, par contre, je ne vois pas de timer pour ces renforts. non, il n'est pas indiqué, c'est scripté de toute façon ces trucs-là. Oui, non, mais quelquefois que tu puisses attendre, tu sais, comme un sac à merde. Tu sais, moi, dès que je peux arnaquer, j'arnaque. Je vois, je vois. Est-ce que le miasme, c'est fort contre les balistes? Alors, le miasme, c'est quoi? Je me souviens plus. Faible contre un seul guerrier, efficace contre 25 hommes ou plus. Je pense que tu as ta réponse. Ben, ça doit être bien alors. Bah, pas contre les balistes. Ce sera efficace contre des grosses unités. Il a quoi? Peut-être pas ses archers. Hein. Ah! Eh bah Éliminer oui. les assures avant que leur cité envoie des renforts. Je pense que les renforts, tu les auras quand même, mais... À mon avis, il faut que t'avances. Ah oui, tu vas le poule à coup de sort. Riders! On to slaughter!
Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, ok. En avant. Et tes balises, tu peux pas les faire tirer? Non, ils sont trop loin. Bah, peut-être avance un Bah, peu c'est tout pour le ça que je monde, l'ai hein. fait avancer. 2 minutes, Coco. Ah, le troupeau Oh, faisait quoi? Il s'était une caché. cavalerie. L'avantage, c'est que moi, il voit pas mes unités qui sont en hauteur. Ah, les Hop renforts là. ennemis approchent. Gagne et... Ouais. Et là, pour le moment, j'embête ses balistes avec, avec Moratti. Je trouve ça Alors, drôle. qu'est-ce qu'il envoie? Ah merde, il a vu du coup mes cavaliers. Chier. Il tire sur quoi là? Ouais, ça va, il tire sur mes sombres traits. Tout va bien. Attends, je vais ordonner l'attaque. Vous tirez là-dedans parce que vous servez qu'à ça. Ils arrivent par où? Par en haut, mais je les intercepte. D'accord. Ok. Alors, ma petite Momo. Parce que pourquoi pas? Cold-blooded killers. Slaughter them. Blood for Cain. Alors je sais que là il y a sa cavalerie qui est là. Momo, tu peux décoller Momo? Bon, pourquoi tu décolles pas Momo? Allez. Allez, ok, Moratti est buggé. Super. Bugué. J'aime ça. Bah elle bouge plus. Elle fait plus rien. Si, si, Allez. si, si, si. Ah bah quand même. Ah, le mec, il fait sortir des lanciers juste quand mes cavaliers chargent, quoi. Ah, t'as besoin d'un soutien. Non, non. Non, non, je m'en sors, mais... Non, je parlais d'un soutien en mode baliste, en fait. Non, non, tes tirs, ils sont pas efficaces, là. Ah bah d'accord, dit qu'on s'est pas visé aussi. C'est pas ça que j'ai dit. Si, il a dit que t'as dit que j'étais pas efficace. Bon, j'ai dit que tes tirs seront pas efficaces. Ouais, il en envoie beaucoup du monde quand même, hein. Bouh. Ok. Pour nous, ça a l'air de bien se passer de mon côté. Bah écoute, ça tombe bien parce que... T'as besoin de soutien de furie ou pas? Écoute, si tu sais pas quoi en faire, enjoy, hein. Parce que mes ombres, elles vont pas tenir des heures, hein. Bah ça arrive. Moratti, prends les gens qui sont en train de fuir, s'il te plaît. Putain, mais pourquoi est-ce qu'il lâche pas cela, bordel? Alors par contre, moi j'ai des Oh. affluences qui prennent cher, mais ça c'est pas grave. Ouais, enfin moi j'ai tout le monde qui prend cher. Hein. Je vais... En fait j'ai beaucoup de monde. D'accord, t'as trop de monde pour toi? J'ai des patrouilleurs qui viennent de débarquer en plus. Donc Ok. tiens, file-moi le contrôle des furistes. Vous, T'as vous des allez furies et là. des sœurs du massacre, hein? Yes. Mid. Et merde, je te perdais des monnettes. Pas grave, on peut les recruter. Les balistes, on arrête de faire les cons, s'il vous plaît. Ok.
Bon, les guerriers du chaos tiennent le seigneur ennemi. Ça, c'est déjà pas mal. Et toi, tu fais rien. T'as décidé de ne rien faire. J'ai des ombres qui sont dans le mal. Mais reprenez vos machines, vous. Bande de cons. Fuyez, pauvre fou. Alors, j'aime bien les mecs qui disent slash skill alors que ce sont des arbalétriers que les mecs vont tirer quoi. Ce sont des malins. Je préférerais que tu tires avec ton arbalète plutôt que tu essayes de taper au corps à corps. Ouais, ouais peut-être pas là-dedans les gars. C'est tout de suite mieux avec avec les furies. Dès qu'on fout du stream, ça fonctionne beaucoup mieux. Ah bah, c'est étonnant, t'es tout de suite désorienté. Moi, tu sais, hein. Moi, je suis un homme comme ça. Hein. Moi, tu veux me désorienter, t'envoies des furies. Je ne sais plus me battre. Voilà, c'est ça. Tirez sur les fuyards. Voilà. Ça me paraît mieux que d'essayer de taper sur... Ah, il tient son héros, hein. Ouais. Viens là, Morati, attends. Fais-lui un petit peu de fatalitas ou je ne sais quoi, là. Enlève-lui un peu de morale, là. Ça va peut-être lui faire du bien. Voilà. Et hop, là, la petite charge de Momo. Bon, c'est bon, j'ai géré les renforts. Ok, son seigneur est en fuite. Bah, je crois qu'on a gagné. Bon, ce serait une bonne chose. Bah, tout le monde fuit. Ah non, pas de ton côté. Nous arrivons! Non, mais ça ira, ce sera terminé quand t'embêtes. Oui, non, mais nous arrivons quand même. D'accord. Bah, le... Tant que tu me perds pas mes furies, tout va bien. Écoute, les furies, ça va, j'ai perdu une des monnaies. Wow, ça va. Et qui dit? C'est quoi ça? Je sais pas, j'ai un gros point jaune au milieu de ma carte. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est le gros point jaune, ça veut dire que t'es sur le point de gagner. Oui, mais pourquoi il reste? Je sais pas. Le bugué. Okay. Bon, moi, ils sont tous en déroute. Voilà. Ok. Bon. Bah voilà. C'était une bonne bataille. C'était une bataille... On a quand même fait 108 morts avec des affreux lances. Hein. Quel talent. Joli. Bon, les guerriers du chaos, 29 morts, c'est normal, ils étaient contre le seigneur. Arrivé un moment... Voilà. Bon, elle était pas dure, celle-là. Oh, il y a une ombre qui a failli y passer. Quoi. Oui, oui, non, mais j'ai une unité d'ombre qui a pris cher. Et une unité de démonette qui s'est retrouvée coincée avec les renforts. Ouais, mais de toute façon, je vais avoir reconstitution des victimes pendant 2 jours, là, ouais. Retour. Bah oui, ouais. C'est pour les unités qui sont pas disbandes, ça va. Oui, non, mais en 2 tours, t'as recruté une des monnettes, voire des sœurs du massacre qui sont un petit peu mieux, quand même. Comment? Il y a des trucs qui sont mieux que les démonettes? Mais Akatsuki non. Mais, non, alors... mais... Oui, les démonettes exaltées sont mieux que les démonettes. Ouais, mais dans des monnettes exaltées, il y a des monnettes. Hein. Excuse-moi, mais... Il y a exaltées, surtout. Non, mais on remplacerait des femmes en string avec des pinces de crabe par des femmes en string avec des couteaux. Je veux dire, arrivé un moment, l'échange est équivalent, quoi. Mais des monnettes ont-elles des strings? Ça, c'est une vraie question. Alors, figure-toi que oui. J'ai des figurines de démonettes en métal, s'il vous plaît. Le string est en métal, aïe. Non, là, figure-toi que sur la figurine, ils ont bien mis le string. Parce qu'il y en a où leur pagne est relevé, et tu vois bien le string. Parce qu'elles ont un pagne. Oui, elles ont un pagne. Moi je dis c'est une fake news, c'est juste pour que... Et c'était les plus belles figurines, je trouve, de démonettes de l'époque. Bah non, je vais pas prendre les 15%.
Quoi que si, ça me fait des esclaves. Donnez-moi des esclaves. Bah, en plus, elle t'a dit. Hein. Taille de Laura plus 20%. Faut toujours écouter c'est Momo. C'est pas si dégueulasse. Mais toujours écouter Momo. Relation diplomatique plus 10 avec toutes les factions, y compris celle des elfes, hein, qu'on vient de tabasser. Je tiens à le dire. Avec toutes les factions, oui, c'est spécial. Alors, moi, je... Elle a gagné son arme magique. Très bien. Moi, je voulais faire évoluer des unités, parce que par exemple, les rabatteurs de Slaanesh, c'est sympa, mais les chevaliers du chaos, c'est mieux. Non. Et on avait dit, j'ai quoi, j'en ai... C'était des épées boucliers, ceux-là, ouais. Ouais, j'ai quand même en prenant avec lance. J'ai toujours pas pris ça, mais pourquoi je n'ai pas pris Abîme de Noirceur comme sort? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Non. Et je vais prendre des guerriers du chaos... Est-ce que je lâche les guerriers du chaos à Albard pour en faire des guerriers du chaos de Slaanesh? Ah, efficace contre les personnages, ouais. Ça c'est très bien. Je volerai leurs âmes. Armure et bouclier. Ou les knouts. Les knouts c'est sympa, mais. C'est anti-infanterie, si tu ne sais pas. C'est anti-infanterie. Ouais, mais c'est quand même. Alors, Morati. Morati, elle va se diriger vers le pic de fer. Non. Ah non, pardon. Ah oui. Ah, c'est chiant, tu peux pas savoir. Ah, y a pas de truc pour épingler. Du coup, tu peux pas savoir les stats exactes. Puisque je vois pas de bonus pour l'infanterie hein, avec les knouts. Ils sont anti-infanterie. Bah, moi je te dis que je le vois pas dans l'infocard. En tout cas, quand tu joues avec les démons de Slaanesh, quand tu joues l'armée des démons de Slaanesh, les knouts sont anti-infanterie. Je vais en prendre un de chaque, et puis. Je vais. Non, tu as clairement 32 de dégâts d'armes de base et 0 de dégâts perforants. Non, non, c'est juste des gros. Des grosses brutes en matière de. De défense, ils ont quand même 63 de défense de mêlée, ce qui est un peu assez violent pour c'est, des unités. C'est assez drôle ça, parce que tu vois, quand tu joues les démons, ils te le disent, c'est clairement des unités anti-infanterie. Allez, on va garder juste des unités, comme ça, hop, du coup, bonjour. Ah, plus de 20 pour avoir plus d'autorité, moi je suis tout à fait d'accord. Alors, je m'étais dit... Morati, elle est à Sildrator et elle recrute d'autres sœurs du massacre à la place des démonettes qui sont mortes. Pourquoi ils veulent plus faire une alliance défensive? Tour précédent, ils voulaient bien. Oh, les cons. Est-ce que je supprime les sombres traits pour prendre des sombres traits à bouclier ou j'attends qu'ils meurent comme des cacas? Première solution, parce qu'ils mourront pas forcément comme des cacas et le jour où t'en auras besoin... Ouais, mais ils sont déjà niveau 6. Ça se refait. C'est toujours ma politique par rapport à ça. Mais bon. Alors. On aurait pu prendre des cavaliers noirs à arbalète à répétition. À mon avis, c'est mieux. Par contre... À mon avis, c'est mieux qu'avec les lances. Hein. Donc, à arbalète à répétition? Ouais, disons que c'est. Enfin, moi, je préfère les harceleurs à la cavalerie légère. Pour moi, ça sert à rien. Bah, de toute façon, et en plus, ils sont pas très 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 costauds. Hein. Voilà, ils ont des stats de merde. Ils sont juste bons à pourchasser, mais la cavalerie légère avec armes de jet, ils peuvent très bien charger, même si c'est un peu moins efficace. Ils peuvent tout aussi bien poursuivre et quand même leurs armes de jet peuvent être les rendre nettement plus versatiles et utiles à mon avis. Mais ça n'est que mon avis et je le partage. Oui, non, mais c'est parce qu'en fait, comme je peux recruter, autant le faire. Autorité, non. J'ai pas un truc pour... Ah, c'est dommage, j'ai pas un truc pour augmenter la taille de recrutement. Ah, t'es chute.
Parce que deux en recrutement, c'est pas beaucoup, hein. Oui, mais ça fait partie des Oui, des trucs de limitations, faction. Hein. des elfes. Oui, non, mais c'est juste que c'est un peu galère quand tu dois reconstituer une armée, quoi. Pour le coup. Certes. Certes, c'est une évidence. Hello, hello. Les héros d'Ariel. Ah oui. En fait, j'ai lu un autre nom, mais ça vient d'un autre jeu. Je crois que j'ai trop joué. T'as trop joué à la petite sirène? Eh ben. C'est ça. Ça, Qu'est-ce pourquoi qu'elle c'est. me veut, Morissette, là? Un accès militaire pour 1000 balles? Pas Jacqueline, c'est bien ta retenue. Ouais, t'as vu ça, hein. Mais question. Oui. Alors, si je ne suis pas en pacte de non-agression avec quelqu'un, Oui. mais que j'ai un accès militaire avec lui, je peux quand même aller lui casser la gueule sans qu'on me dise ah, c'est pas bien, t'as rompu un pacte. Je crois que non, tu peux pas. Ah merde, parce que elle, après, c'est la prochaine sur la liste, quoi. Bah donc tu chopes pas les 1000 balles. C'est C'est ça, tout. mais bon, 1000 balles, quoi. Bah ouais, c'est comme ça. Ouais, parce qu'il y a des trucs un peu bizarres avec la diplomatie dans les Total War. Non, du tout. C'est toujours Moi, très bien. j'aime bien, c'est C'est quand t'es toujours allié très à bien deux réel. personnes, quand t'es allié à deux personnes qui se font la guerre, t'es dans la merde. C'est ça. Et Parce que surtout, et automatiquement, sur t'as. tout, t'as pas la possibilité de rester neutre, quoi. Ce que je C'est trouve ça. totalement, totalement pas normal. C'est ça. Ce qui est le cas, par contre, dans. Un revenu dégénéré par les esclaves plus 3%. Merci. Ce qui est le cas, par contre, dans Europa Universalis 4, par exemple. Tu Bah peux oui. Alors, rester mais neutre en même temps, la quand t'as ton pays. diplomatie est un peu plus avancée dans EU4 que dans. Oui, non, mais c'est une simple option. Pourquoi t'as pas un truc à cocher, rester neutre? Ouais. Et voilà, tu n'as pas d'interaction mauvaise où tu te prends directement, plus personne te croit et t'es un salaud, quoi. Je suis d'accord. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. Je ne fais que le donner. C'est ton avis et tu le partages. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu peux me faire, toi? On peut construire des trucs à l'éclat de la lune. Du bois, encore. Alors, un bombardement. Ah oui, vitesse. Ça, c'était, on a vu que c'était totalement pété. Sur le principe. Les autres sont sympas aussi. Régène des PV. Ah, je peux aller rechercher la ville qui est toute cassée, je vais le faire. Mais bon, ça, je trouve ça tellement sympa. Vitesse plus 5% pour l'armée, bonus de charge plus 5 pour l'armée. Sympathique. Voilà. Toi, bah, tu vas continuer à attaquer les unités. Hein? Ah oui, je comprends. Ah oui. Ah bah tu vas mourir? Morissette, elle va mourir, je crois. Pauvre Elle a Morissette. deux armées des machins d'Ariel là contre elle. Dont un héros sur dragon et un héros homme-arbre. Je pense qu'elle est morte. Paix à son âme. Ce n'est qu'un an, au revoir. Alors. Tu as un sang-froid, tu peux être sadique. Mais c'est très bien. J'aime les gens sadiques. Poste Ça avancé, fait je quoi? n'avais pas le construit. Ouais. Oh, les barbes, ils me font toujours la gueule. Oh là là. Corne qui voudrait imaginer faire un PNR avec moi. Corne qui te demande de la paix. Non, il Oh ne là me là. demande pas, mais. Tout se perd, Cela tout se mèche, c'est perd. vraiment nul. Hein. Franchement.
Inkari, je suis très déçu par tes performances. C'est fini. Attends, je surveille Mazamundi. Ah, bah les Skegi sont morts, voilà. Ah, fin des Skegi. Ah, je peux faire de la technologie. Ah oui, pour ainsi dire. Ouais. Ah, et le Skaven, mine de rien, il arrive à se défendre, hein, chez toi. Ouais, hein, c'est impressionnant. Hein. Résistance ultime plus 5% pour les furies et les sorts du massacre. C'est oui. Bon, ça. Oui. Je veux. Ah oui, je peux faire un ordre ici, un édit. Bah écoute, prenons l'argent. Moi, ça me paraît bien. Dans le doute. Quand tu ne sais pas quoi choisir, prends l'argent. Dans le doute, frappe encore. Qu'est-ce que tu as? Tu veux faire la pépé? Eh ben non, non. Je ferai pas la pépé avec toi. Démon patate. Pourquoi t'es en train de les tabasser? Bah oui. Bah c'est, il me décla... Le mec, il me déclare la guerre. Je le défonce. Et ça semble le chagriner. Ça me rappelle un pays actuellement. Pardon. Ouais. Bah, j'ai l'impression que l'armée de char, elle vient de prendre la ville. Hein. Le pic tyran. Je ne sais pas. Le pic tyran vient de changer de. Quoi de main. Qu'est-ce que tu me veux? Que me veut la côte vampire? Ils me veulent me donner des sous? Alors attends. Que me veut. Ah, la... non, 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 non. Tu peux plus que 600 balles, mon gars. Que me veut la côte de bœuf? Oh, oh, oh. Je suis trop drôle. Attends. Fais annuler. Ouais, je peux avoir 870 balles. Mais. Je peux avoir un accord commercial. Plus de l'argent. Donc je vais prendre l'accord commercial. Et oui. Ah mais ils se prennent des claques. La flotte de la terreur. Je sais pas, mais moi j'ai récupéré de l'argent et un truc commercial, ouais, donc tout va bien. Ils se prennent des claques par les hauts elfes. Ouais, non mais les hauts elfes, ils vont récupérer Ultuan. Hein. Ah, moi je dans plusieurs parties que j'ai faites... Mais alors attends, mais le départ à Ultuan pour aller aux elfes, il doit être horrible. Ils se retrouvent avec le chaos et tout sur leur île, quoi. Ah, qu'est-ce que tu me veux trop, mon gars? Ça va pas être top top pour eux. Hein. Un PNA pour 500 pépettes. Est-ce que ça va m'intéresser? On fait déjà du commerce. Bon, allez. Vendu. Alors. Je pourrais aller chercher le pic blanc. Traverser la mer et débarquer sur Ultuan et leur casser la bouche. Bah, c'est pas ce que tu feras tôt ou tard. Bah, ça dépend de où on s'arrête. Quoi, qui m'attaque? Mais. Ah, d'accord. Ah, oui. J'avais oublié l'armée d'hommes bêtes. Ah! Elle a fait exactement ce que t'avais dit qu'elle allait faire. Ah. Bon, bah on la fait pas, je pense. Hein. Bah t'as une armée à toi dedans, non? Ouais, elle est à moitié de vie. Elle est à un tiers de vie. Ah, parce que on t'as... vient de reconstruire la colonie. Et lui, il a une armée pleine. On n'a pas écouté tonton Gaeldan. Mais non, j'avais complètement zappé cette armée. Oui, certes. Bah, paix à ton âme. J'ai quand même eu 5 esclaves. Je sais pas pourquoi j'ai eu 5 esclaves. Bon. Bâtiment endommagé. Pourquoi? Tribu des vassaux. Ok. J'ai eu gratuitement tous mes bâtiments endommagés. C'est quoi? Bah, c'est un event genre... Ouais, un event dans la ville... Alors, la ville, elle avait du moral et... Mange-toi, tous les bâtiments sont détruits, quoi. Ah oui, le pic des tyrans a changé, en effet. Oh la vache. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Mais les Skaven ont pris aussi une ville. Donc là, ils avancent sur nos amis de Mazamundi.
Bon, bah, on va revenir casser la bouche à Monsieur Patate. Hein. Moi, je vais faire ça. Non, et non, 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 par là. À Arnheim, je vais recréer un seigneur et puis on va se préparer. Hein. Parce que forcément, l'autre, il va arriver après. Rapide, attribut coureur. Ça me paraît bien, ça. Rage de corps en action, attaquer les unités, 15% de pertes infligées supplémentaires. Et encore un don de Slaanesh accordé. Moi. Eh ben, puisqu'on attaque des unités, continuons d'attaquer les unités. On prend deux tours, donc tu vas prendre ça. Ah oui, donc j'ai perdu les gars du chaos que j'avais recrutés. Dommage. Dommage. Est-ce qu'on prend l'argent? Moi, je dis on prend l'argent. C'est ça dont j'ai toujours rien à secouer. Parce que je peux bientôt avoir 6 tours, là. Alors, ah, ah oui, c'est toi. Moi, je devrais aller me prendre Exoalt. Ça va être compliqué, je pense. Mais non. T'as pas confiance en ta capacité, mon petit Akatsuki. Tu peux faire beaucoup de choses. J'ai terminé. Non, non, mais... C'est qu'elle est bien défendue, quoi. Aie confiance en toi. Aie confiance. Crois en moi. C'est ça, tout à fait. Ça va, il a la référence. Et toi, viewer, est-ce que tu as la référence? Ils ne vont pas te répondre tout de suite. Hélas. Il a recréé une armée, quoi. Exoalt. Il doit pas se sentir super serein, je pense. Je vois pas pourquoi. On va encaisser les hommes bêtes à Arnheim. Hein. Il m'attaque. Pardon, mais excusez-moi. Il a eu une semaine difficile. Absolument. Comme la précédente et comme la suivante. Ah là là. Bah, il est bien loin à jouer, le 104 sur 166. Bah, surtout que moi, j'étais pas à 104 quand t'as dit ça, j'étais avant. D'accord. On a peut-être une petite D5, c'est pour ça. Voilà. Hein? Voilà. Bon, bah, écoutez, on perd une deuxième ville. Hein. Bam! Putain. C'était là où t'avais recruté? Non, 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 je me suis mis dans ma capitale. Ah. Enfin, dans ma capitale, dans la capitale oui, oui, de la région. J'avais bien compris. Condoléances, vous êtes allié à... Ah, c'est vrai que je suis allié avec Gritus. Ah, ça c'est bien. Ah ouais, parfaite vigueur pour les aspirants champions et les élus. Ah, les élus universels. On n'en aurait point beaucoup. Alors... y aller en un tour? Non. Ah, et tu as détruit les portes écroulées. Bah écoute, tu sais quoi? Tel un sac à merde. Où est-ce que c'est les évolutions pour avoir les élus? Est-ce que je rase la colonie ou est-ce que je la pille? Est-ce que je l'occupe? Telle est la question. Ah, ça c'est toujours une... Ça fait des épices quand même, hein. C'est bon pour le pain. Un pain aux épices, c'est très bon. Et comment pour évoluer? Mais c'est orange, donc on va la raser. Tiens. Mission envoyée. Voilà. Une tentative d'assassinat sur Zeng. Zeng, où es-tu, mon petit? Zeng. Non, c'est toi. Alors. Ah, t'es à moins 47 pour un traité de paix. D'accord. Hop. Qui c'est qui va s'en prendre plein la tronche? C'est... qui c'est Arbal Van Demortem. De Profundis.
Morpionibus. Bring them to ruin. Et ben toi, tu vas peut-être pas beaucoup pouvoir bouger, j'en sais rien. Mais on va attaquer le ziggourat de l'aube derrière, pour le réduire à néant. Alors, aussi. Alors, dans quelles conditions? Ah, il faut qu'il soit dans 7 pour que je puisse le faire évoluer. D'ici, en je élu. Peux y aller. Faudra combien de tours pour y aller? Ah, tu dis que ce serait plus court de faire 5 tours à tout traverser que de passer par l'eau? Non, non, il choisit jamais l'option de passer par l'eau si tu ne forces pas le passage par l'eau. D'accord. Ça fait partie des trucs que je trouve particulièrement débiles, mais c'est ainsi. Ah oui, d'accord. Vas-y. Ça me saoule le truc de l'eau, là. Planifier le mouvement dans l'eau, c'est saoulant. Allez, hop. Alors... provoque la terreur pour les rejetons du chaos. Bon. Ça permet de faire des chars. Ah, et des rabatteurs. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Bon, ok, c'est bon pour moi. Hop. Allez. Quoique. Je peux améliorer ça. Ça me servira à rien. Ah oui. Ouais, rien si du ça tout. Améliorera ton taux d'accord. De... dans la région. Vraiment, ça sert à rien. Et là, je peux faire quoi? Non, mais c'est une blague. Eh, tu prends pas d'attrition, toi, quand tu fais un siège? Bah, normalement, tu prends pas d'attrition quand tu fais un siège. Ah non, mais je suis. Enfin. Ah non, bah non, il faut de la corruption. Chez nous, ils vont en prendre, normalement, les hommes lézards. Parce qu'il y a du chaos partout. Bon, on va aller prendre le ziggourat de l'aube, là, on va aller le raser. Ça fera du bien à Mazamundi. Peut-être qu'il ne sera pas très content. Bah écoute, il m'a déclaré la guerre, donc je vais lui raser ses colonies et les bah, unes derrière les autres. Hein. Même cause, même conséquence pour démon patate. Hein. Alors, où est-ce qu'il a fui, démon patate? L'alliance défensive avec, Enkari. Mais il est en guerre contre tous les elfes, ça me paraît être une connerie. Je sais pas pourquoi. En même temps, c'est toujours pareil. C'est pas très grave. Dans la mesure où il est déjà en guerre, le problème de l'alliance défensive, c'est quand ça te crée de nouvelles guerres. Ouais, mais s'il y a d'autres Zewelfs qui l'attaquent, je préfère pas les avoir sur le coin de la tronche. J'ai déjà assez à faire avec les hommes bêtes, quoi. Je vois pas de quoi tu parles. Moi, je vois très bien. C'est ça le problème. Bon, après, s'il attaque la capitale, bon, il a quand même 3 Sigors. Hein. Oh! Je déteste tellement ces créatures. C'est tellement fort, les Sigors. Ouais, c'est ça. Non, mais surtout, tu sais, c'est la harde de briques qui a popé avec 3 Sigors dedans, tu vois. Ouais. Normal. Corsen, tu sais, je vais te dire. C'est un peu comme quand t'as une rébellion de l'Empire qui pop avec des tanks à vapeur dedans. J'accuse coupable, hein. Ça m'est arrivé. Hein. Là, tu fais. Ce serait pas un petit peu pété? Puis le plus drôle, c'est quand ils te font. Tu sais, tu leur laisses un tour et puis ils te recrutent encore des tanks à vapeur. Là, tu fais. Hein? What? Tu arrêtes de fumer un petit peu, s'il te plaît? Je te propose, mon cher Akatsuki, d'arrêter cet épisode ici. Et de faire ouais. Ce nouveau tour. En plus, moi, je vais commencer par un petit combat contre le démon patate, ce que je vais... Pff, ouais, je sais même pas si je vais le faire.